بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est après Badr. C'est comme ça le titre de cet enregistrement. Mais avant cela, je veux mentionner une chose, c'est que lors de la dernière vidéo, j'avais oublié de mentionner que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant le début de la bataille de Badr, a longuement prié Dieu de soutenir et de permettre aux musulmans de vaincre les Quraishis. Je reviens sur cela parce que prier Dieu, demander son soutien, l'adorer, c'est quelque chose de très intéressant. C'est la chose la plus intéressante dans la vie du musulman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il a eu la promesse de Dieu d'avoir le dessus sur l'une des deux parties, soit la caravane, soit l'armée de Quraysh, malgré cela, il s'est longuement assis, levé ses mains vers le ciel et demandé le soutien de Dieu. Je reviens à notre sujet, après Badr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les survivants de l'armée de Quraysh, vaincus, ont battu en retraite et dispersés, ils sont revenus à la Mecque. Ceux qui y sont restés et n'ont pas participé à la bataille ont eu beaucoup de mal à croire les premiers revenants qui leur ont apporté la mauvaise nouvelle. Comme on l'a déjà dit, beaucoup des chefs de premier rang ont été tués à Badr. Ceci va causer une chose, c'est l'avènement de nouveaux leaders. Alors chaque clan, et en général la tribu de Quraysh, chaque clan connaîtra un nouveau leader ou bien de nouveaux leaders tels que Abu Sufyan, Suhail ibn Amr, Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As et bien d'autres. Et la première chose, bien entendu, la première chose à laquelle devaient songer ces nouveaux leaders, je m'excuse, ces premiers leaders étaient la vengeance. Presque toutes les familles étaient endeuillées par la bataille de Badr. Quant aux musulmans, ils sont restés séjournés après leur victoire 3 jours sur le lieu de la bataille, à Badr. Ils ont enterré les cadavres des idolâtres et bien sûr ceux des 14 martyrs musulmans, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 2 hommes pour apporter la bonne nouvelle aux musulmans restés à Médine. La réjouissance et le bonheur a gagné les esprits de tous les musulmans, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée sont revenus, ils ont été reçus par les félicitations de tout le monde. La question du butin, il y a des choses maintenant, des choses que nous devons mentionner. Par exemple, la question du butin récolté après la bataille a été réglée par la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lit ça dans la sourate Al-Anfal. Les musulmans ont gagné le respect de toutes les tribus arabes après cette bataille, et surtout les tribus voisinantes de Médine. Ces tribus-là ne pouvaient plus chercher querelle aux musulmans. Ils savent que maintenant il y a une force à Médine. À Médine elle-même, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup des habitants de Médine qui n'avaient pas encore adhéré à l'islam, et l'ont fait juste après Badr. C'est-à-dire que le nombre de musulmans
va s'agrandir considérablement après cette bataille. Et il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que il y a d'autres comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui ont opté pour l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils vont donner impression d'être musulmans alors qu'ils vont comploter pour détruire, pour affaiblir les musulmans. Ils feront tout, on le verra dans cette étude-là, ils feront tout ce qu'ils pourront pour faire du mal aux musulmans. Il y a une autre question, celle des prisonniers de guerre. Ceux-ci ont été traités, bien traités par les musulmans. La plupart, beaucoup d'entre eux ont été libérés. Il y en a qui ont adhéré à l'islam et sont restés à Médine. D'autres ont adhéré à l'islam et sont retournés à la Mecque. D'autres ont payé la rançon pour être libérés. Et d'autres, il y en a eu d'autres qui ont fait autre chose. Le prophète sallam leur avait proposé d'apprendre la lecture et l'écriture à 10 enfants chacun. Chaque prisonnier de guerre qui apprend à 10 enfants des musulmans la lecture et l'écriture est libre. Il peut regagner son foyer, sa maison à la Mecque. Et c'était une décision sage du prophète sallam, puisque les Mécois en général connaissaient la lecture et l'écriture, tandis que les Médinois, eux, en grande majorité, étaient analphabètes. Je reviens sur une chose que le Coran a mentionnée dans la sourate Al-Anfal. Il éclaire bien sûr que les musulmans, ce groupe-là, c'est l'armée de Badr, des musulmans de Badr qui a combattu à Badr. Ils espéraient affronter l'armée de Quraysh. Ils espéraient plutôt s'emparer de la caravane d'Abu Soufyan. C'est le but pour lequel ils sont sortis. Ils ont quitté leur maison. C'est s'emparer de la caravane d'Abu Soufyan au lieu d'affronter l'armée de Quraysh. C'est normal puisque l'armée de Quraysh avait la supériorité en nombre et en armement. Presque 1000 hommes. Mais les profits tirés de la bataille démontrent que cet affrontement était meilleur pour les musulmans que de s'emparer des richesses de la caravane. Le Coran traite cette question-là clairement. On s'arrête ici et on reprendra, Inch'Allah, la prochaine fois. On parlera de qu'est-ce qui s'est passé après la bataille de Badr. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, plusieurs missions, plusieurs batailles. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir toutes nos nouveautés, de nous aider par un like. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.